Ok. Alors. Donc, est-ce qu'on se retente pas l'horreur? Quel est le sanctuaire qui se trouve ici? Tout en... Alors, attends, comment ça marche? Détecteur. Entrée répertoriée. C'est dans mon monstre. Je mets quoi? Je mets Elusis, c'est ça? Alors, vu la gueule de mes photos... Ah, c'est dans Animal? Je l'ai. Que j'ai un Elusis en photo? Pas dire. Ah, apparemment, j'en ai pas. TFF. Le 30? FF. J'ai le Rumi. Mais j'ai pas les... Putain, j'ai jamais pris des Elusis en photo. Mais sinon, les Rumis, ça marcherait pas? Mais ça va détecter toutes les grottes, non? Y compris les grottes que j'ai jamais... que j'ai déjà fait, non? Déjà chassé l'Elusis, ça a pas sonné. Oui, mais... Ah, oui. C'est pour ça que l'Elusis, c'est mieux. Ouais, bon, attends, hey. Déjà... On va se diriger... par ici. Mais bon, il y en a pas tous les 5 mètres non plus. Il est vrai. Pour l'instant, il n'y a rien qui est capté, tu vois. Rien du tout. Le cerisier donne les entrées, c'est vrai? Pourquoi il y a toujours un cerisier à l'entrée des grottes? C'est vrai ça? Si c'est le cas, je n'avais jamais fait attention. On en est où dans l'histoire principale? Oh, on a quasiment tout fait, on a juste pas fait la fin. Bon alors. Sérieux, y'a rien? Là, je passe à côté du sanctuaire en question. Je... Ah ah. Ça veut dire que c'est mieux ou que c'est moins bien? C'est mieux ou c'est moins bien? C'est moins? Merde, j'en... Ah non, j'entends plus rien. C'est marqué dessus? Ah merde, j'ai pas vu. Voilà. Ah, ça. Et... Il y a des endroits qui marchent. Je comprends.
comprends pas tout, comment ça marche. C'est ça. Nique sa mère, c'est ça. J'aurais pu l'avoir sans. Enfin, je sais pas si c'est ça. Hein. On l'avait vu tout à l'heure, ouais, il y a des chances. Hein. Littéralement sur le chemin. Ah non, ça doit peut-être plutôt être par là. Après, il y a deux chemins, j'ai envie de voir les deux. N'oublie pas ta photo. Et la photo d'Elusis, tu veux dire? Nice. Ah oui, le pouvoir de Sidon, quelle dinguerie ça. Une dinguerie, c'est ta soif. Non. Oh. Mais ça n'en finit pas, je vais pas prendre la pierre pour l'amalgamer avec une merde. Ça n'en finit jamais. Ça m'a l'air d'être une grotte qui est uniquement comme ça. Full Minecraft. Minecraft. Les cubes. Bon, hé. Hey. Au bout d'un moment, ça va me saouler cette affaire, je le sais. Mais ça, ça crame. Oui, bah, ah non, parfait. Perso, je spamme les bombes comme un dégène. Ouais. Mais en vrai, je préfère un peu les garder, les bombes. Je me dis, c'est pas une denrée si commune. Et le Goron, il a juste... Ah non. Ah. Est-ce que j'ai un cheat qui permet de faire de... Ah, ok.
Ouais, j'ai ça. Non, 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 non. Oh non, j'ai eu peur que ça tombe dans la lave. De toute façon, c'est souvent de la merde ce qu'ils ont, eux. Non. Mais attends. Voilà, toi. Même ça, tu me sers à rien? Il est vraiment nul, hein. Attends, test. Ouais, bah ok. Ok. Je voulais juste être sûr. Bon, ok. Bon, qu'est-ce qu'on a comme matos? J'ai vu le robinet là-bas, j'ai vu ça ici. Est-ce que j'ai vu autre chose? Ouais. En vrai... En vrai, de vrai... Le robinet est plus utile que le sidon, hein. Où est le robinet? Où est le robinet? Il est perdu? Où est le robinet? C'est énorme, le robinet est perdu pour toujours. C'est huge. C'est huge, c'est huge, en vrai. En vrai, c'est assez huge. Bah, en vrai... En vrai, de vrai... En vrai, de vrai, de vrai... À aucun moment, c'est une mauvaise idée de faire tout ça, hein, je tiens à le dire. À aucun moment, c'est une mauvaise idée. Hein. Y a pas un monde où c'est une mauvaise idée. Rapide à tourner, lui, dis donc. Là, je braque à fond, là, hein, je tiens à le dire. Bon. Ok. Yes. Imperdable. Moxapine, Moxapin. On aura chié pour celui-là. Mais au moins, on aura découvert plein de trucs. On aura amélioré à fond notre tablette grâce à ça. Grâce à ce sanctuaire, on a fait ça. On n'avait jamais fait depuis le départ. Donc, respect, bien sûr, à ce sanctuaire. Tout ça pour une vieille bénédiction de Raoru bien dégueulasse, parce que l'énigme, on l'a déjà faite, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je les aime bien, les boucliers de Sonium. Ça, ça dégage. Thank you.
Tout ça pour ça. Bah, mais on s'y attendait un peu, hein. Là, c'est pas vraiment une surprise, j'avoue. Je suis déjà allé dans la forêt Korogu, j'ai oublié. Ouais, on l'a fait. On l'a totalement faite, la forêt Korogu. On a fait la forêt Korogu après avoir trouvé l'épée de légende. Je fais tout à l'envers. Je fais absolument tout à l'envers. Alors attends, est-ce que je vois pas un petit sanctuaire qui traînouille là? J'ai pas fait. Là. Ah si. La musique de fou là. Après, t'as. T'as ça ici que j'ai pas fait. Hein. Je me souviens que j'y étais allé et que j'étais en mode. Ah non, il y a les mains et tout. Les horribles mains. Là, il y a un sanctuaire que j'ai pas fait ici. Oh, la musique, c'est un banger là. Jaune. Donne des arcs de fou. Mais à une époque j'avais peur des mains dans ce jeu, et en fait maintenant j'en ai vraiment plus rien à foutre. Je suis pas le plus gros fan, hein, bien sûr, hein, mais c'est pas du tout la même chose que les premières fois. La première fois c'est vraiment au secours. Ensuite ça va mieux. Ah oui, il fait froid. On se les caille. C'est jaune, hein. Oui. Et les hydres, pas encore essayé. Mais j'aimerais bien améliorer mon équipement, j'avoue. Jave. On parle des griocs, hein, c'est ça. Hein. Pas mal, Breath of the Wild 1.5. Putain, mec, t'as tout détruit, là. Ah, t'as dead, ça, je pense, en vrai. Ouais. Vous, mec, c'est exactement ça. Ils se foutent un peu de notre gueule, non? Vous voudrez pas travailler pour de vrai? Alors attends, il est visible ou pas? Je pensais être là. Toujours en full détection là de connards là. C'est quoi? Pas trop loin, s'il te plaît. Hein. Surtout, m'aidez pas, les connards. Hein. J'ai sauvé votre vie et votre nation, là. Bon, le sanctuaire est censé être par là. Bon, il est très clairement sous terre. Oh, j'ai jamais pris ça en photo. C'est énorme. Bon, alors je suppose que du coup c'est une grotte. I guess. Est-ce que faut que je passe par là? Ah non, j'ai aucun bruit. Qui va pas là-dedans. Ok, je vois. Molto bene. Raciste. Il dit ça, hein. En bas, donc, il dit ça, ouais. Ah.
Oh. 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 Magnifique, hein. Magnifique, messieurs, dames. Magnifique, Nerdrak. Alors, par contre, quand je suis là, c'est-à-dire que je me rapproche de la du sanctuaire en question. Ah. Il détecte pas du tout de grotte. Bon, est-ce que c'est une IGA? À tous les coups, c'est une IGA. Je peux rien faire pour elle? Ou peut-être que j'attends qu'elle se réveille? Elle est morte, elle va mourir de froid. Si je... Non, putain! Si j'attends jusqu'au matin. Merci de casser Zaka pour les 15 mois, merci beaucoup. Ah. Hey. Ouais, c'était un mec en fait. Tu es un voyageur? Moi c'est Utrick, je parcours Hyrule en collectionnant tout un tas d'insectes. Dis-moi, est-ce que tu t'intéresses aux insectes? Moi je les adore. Avec leurs ailes magnifiques et leurs exosquelettes si résistants, ce sont des êtres parfaits. J'ai une idée. Puisqu'on est tous les deux des voyageurs, je vais partager avec toi mon savoir entomologique. Quitte à voyager, autant chercher toutes sortes d'insectes en chemin. Bien, commençons par quelques bases d'entomologie. Voyons, on trouve en Hyrule des régions chaudes, tout comme des régions froides, n'est-ce pas? Eh bien, selon leur mode de vie et leurs particularités, les insectes sont répartis sur des territoires bien délimités. Putain, pourquoi tu me parles de ça, quoi? Les papillons et les libellules piments vivent dans les régions chaudes comme Ordine, alors que les papillons et les libellules Glagla préfèrent les régions froides comme Ebra, tu comprends? Savoir quels insectes on va rencontrer dans quelle région peut rendre des voyages bien plus palpitants. Ceci conclut le cours d'entomologie du professeur Utrick. À une prochaine fois, j'espère. Saoulé, lui. Hein. Ah, c'est peut-être par là, l'entrée. En fait, je veux contourner parce que j'ai pas envie d'effacer le truc. Oh non, il pleut. À moins que l'entrée soit par là. Attends. On va d'abord aller voir là-bas. Je me rapproche de là et j'ai rien. J'ai rien nulle part en fait. Non, y a rien ici. Hein. Y a pas d'entrée, y a que dalle. Hein. Y a rien en dessous du pont là. Oui. Vas-y. Ouais. Encore? Oui. Encore. Ah oui, mais non, mais lui... Attends. Là, c'est énorme. Ouais. Je suis là. Mais putain.
C'est très zèbre, ça, effectivement, je suis d'accord avec vous. Gastrolite. Non. I don't fucking care. Et oui, le voilà, le voici. Il est joli. El magnifico. Ok. On fait le tour, j'ai compris. Allez, venez. Super. Bon. Ah ouais, ils sont comme ça, ils se battent comme ça. Bon. Les amis. Les amis, où est-elle ? Allez. Ah mais oui, les plaques que je m'étais faites tout à l'heure, ils sont plus là. Ouais, le chef s'est noyé, ouais, tout à fait. Bon, elle est où ? Elle est où, Riju ? Aïe. Ah, mais... Ah, c'est elle, là-bas. Putain ! What a waste. Très bien. Oh ! Merde, cette histoire. Non, je veux pas de cette merde, moi. De fait bien investi, de fou. Alors, le loot du gros bonhomme là. T'avais jamais pris en photo ? Bah non. On a dit tout à l'heure. Hein. Moi j'ai eu l'appareil photo assez tard en vrai. Oh non, le bâton, bon, on le virera après. Du coup, comment j'accède ici, là, moi, finalement ? Là, j'ai fait le tour. Je pensais qu'il y avait un petit chemin, mais en fait, non. La tenue grenue, je crois pas que je l'ai. Enfin, j'avais pas un truc de ce genre ? Je sais plus, attends. Non, en fait, je l'ai, le masque Grogu. Non, je crois pas que je l'ai.
Mais attends, il y a d'autres petits chemins. Est-ce que c'est de là d'où je viens? Ouais, c'est de là d'où je viens, je crois. Et là-bas, il y avait un autre chemin. Mais laissez-moi, pourquoi vous me backsitez là? Vous êtes en mode de... Ça fait deux fois, il a pas vu, machin. Qu'est-ce que je suis censé voir? Mais dites pas. Je vois même pas ce que je suis censé voir. Donc écoutez. Au centre, il y a un mur à exploser. Tu le... regardes le live avec le son ou comment ça se passe? Que je viens littéralement de dire, ne dites rien. Bah, s'il y a un mur à exploser, je vais exploser le mur alors dans ce cas. Je sais pas si tu regardes le live avec le son, mais je viens littéralement de dire ça en fait. Je le vois toujours pas le mur en question. Et vraiment, j'ai dit ça, et deux secondes plus tard, il dit ça. Hein. Très grave. Hein. Mais attends. Il est peut-être malentendant. Ça fallait pas l'être. Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien le génie. Le décalage du stream, mais même tu dis pas ça pendant les streams. Regarde bien le génie. Hein. Ok, il est irrécupérable. Ok. Il est récupérable. Ok, regarde bien le génie. Hein. Regarde bien. Attends. Le génie. Ok, c'est pas la bonne solution. Je vois toujours pas le mur à exploser. Et là-bas, c'était quoi déjà que je voulais voir? Une autre sortie? Ah oui, là-bas, il y avait un connard avec le gastrolite, là. Je vois pas de mur. Ah, si, je le vois. Je l'aurais vu au bout d'un moment, les gens, faut pas me le dire. Et ça m'a fait le jeu. Pitié. Évidemment, le seul dont j'ai besoin n'est pas là. Où es-tu? Bon. Ah non, mais je vais pouvoir escalader ça, là. Ah, voilà. Ça, ça va être une bénédiction, ça. Bénédiction de Raoru, là, bien sûr. Jogu. Nobu, il est jamais là quand on a besoin. C'est une dinguerie, hein. Il apparaît jamais, hein. Why not, en vrai. On se régale. On se régale. On est où dans la quête principale? J'ai tout fait, sauf le boss de fin, globalement. Enfin, le dernier donjon, boss de fin, 20... Enfin, en tout cas, j'ai fait tous les souvenirs et les 4 gros donjons. En gros. Est-ce que j'avais un truc que j'avais pas vu? Là. Là, il manque quelque chose. Il y a une grotte d'ailleurs. À tous les coups, c'est dans la grotte. Le lac des Sos. Il reste combien de sanctuaires? C'est quel logo le sanctuaire?
là, à droite, on va voir. 122, je crois, j'en ai fait. Je crois que c'est 122 sanctuaires que j'ai fait. Il m'en reste 38. Je pense qu'il y en a pas mal dans le ciel que j'ai pas. Merde, c'est lequel que j'ai mis? Attends, ça la boule, je l'ai fait. Ouais, j'ai déjà fait tout ça. J'ai fait le sanctuaire dans la boule. Attends. Vert. Bon, à tous les coups, c'est dans la grotte qui est en dessous. De toute façon, le meilleur. Si je devais faire ma tier liste des 4 sages qui nous suivent, en haut c'est Babil. Ensuite, je mets Execo, Riju et Yunobo. Et en 8ème, je mets Sidon. En plus, j'aime bien le personnage de Sidon, il est marrant et tout. Mais par contre, son pouvoir, là... Après, il peut faire un peu mal pendant les fights, c'est vrai. Et le goat pendant les fights, c'est vraiment Babil. Son pouvoir, il est trop bien. Pendant les fights, il est trop bien. Il est trop bien tout le temps, en fait, Babil. Ouais, alors ça, c'est sous terre, hein. Donc l'entrée de la grotte, elle est là-bas. Je suis déjà allé, je suis étonné d'être allé dans cette grotte et de ne pas avoir fait le sanctuaire. Très très étonné. Élément détecté au niveau inférieur. Ouais, je sais. Par ici les amis. Ça me dit un truc. Merde, je voulais pas faire ça du tout. Je voulais faire ça. Ah mais il y a un mec prisonnier en fait. Attends. Oh la belle photo. Oh regarde, il fait du skate. Babil fait du skate sur la photo. Énorme, il fait du skate sur son arc. Je frappe rien là. Ah mais parce qu'il est mort en fait. Ah y'a lui. Y'a toujours lui. Allez mon petit frérot, faut mourir. Hein. Je sais que t'as pas fait exprès de naître comme ça mais... Hélas, c'est comme ça. La vie est dure. RIP salope. Mais enfin, merde. Bon, c'est super. Salut mec, ça va? Entends la musique du sanctuaire. Oui, allez, on la prend. Mais comment je t'ouvre? Comment j'ouvre ta porte? Être sorti de la cage, mais j'ai dû rêver. Vous auriez aimé me sortir de là? Énorme. Sauvé enfin, j'ai bien cru que personne ne viendrait me chercher.
Comment je me suis retrouvé ici? C'est une longue histoire. Tout commence avec la lune de sang, ce phénomène étrange, tristement célèbre. Difficile de dire quand exactement, mais certaines nuits, quelle que soit la phase lunaire, une pleine lune rouge se lève. Lorsque minuit sonne, le ciel se couvre et vire au pourpre. Et soudain, tous les monstres vaincus se relèvent. Réanimé par la lune de sang. Alors j'étudie ce phénomène dans l'espoir de mieux le comprendre. Un jour, oh oui, un jour j'éluciderai ce mystère. Pourquoi les monstres sont-ils réanimés à chaque lune de sang? Quel est le lien qui les unit? Pour le savoir, j'ai décidé d'observer les monstres et leur comportement. Cela me semblait être un bon point de départ. Mais ils m'ont rapidement repéré, et me sont tombés dessus avant que je ne puisse m'enfuir. Voilà pour toi, pour te remercier de m'avoir sauvé. Si, si, j'insiste. Un cœur? Mais c'est toujours pas assez. Tiens, prends aussi celle-là. Ok. Ça ne suffit pas à exprimer ce que je ressens. Prends ça aussi. Ah, ça c'est bien. Ce soir, c'est la lune croissante. En perpétuelle expansion, plus rien ne l'arrête. Eh bien, je vais mettre les voiles. Tant pis pour les monstres, ils devront se passer de moi. Ok. Et du coup, j'entends le sanctuaire quelque part. Hein. Il est censé être par là, mais... Ah. GG la team. Hop là, Maui Keska. Bon, ça va être une bénédiction, bien sûr, encore. Merci Morganou pour les 28 mois. Merci, j'ai encore oublié, pour les 22 mois. Eh oui. Eh oui, que des bénédictions. On est béni ce soir, absolument. Ratatatatao. C'était notre 123e. 1, 2, 3. 123e sanctuaire, messieurs, dames. Vas-tu faire un full cœur uniquement avec des bénédictions? Ah, bah c'est grave possible, hein. C'est grave possible. Alors, attends. Toute cette zone-là que j'ai pas fait. Est-ce que je vois un sanctuaire que j'ai pas fait? Sanctuaire, hein, je dis. Là. Vert. T'as déjà fini le jeu? Non! Bon, je retarde ce moment le plus possible. Volcan aussi? Ah, j'avais pas vu. Mais là, en tout cas, il m'en manque un ici, c'est sûr. Mais du coup, si je l'ai pas fait, c'est qu'il doit être planqué. Mais j'ai pas l'impression que c'est l'endroit où il y a des grottes. Il est pas du tout planqué, il est absolument ultra visible en plein milieu de la map, ok. Très bien, je ne l'avais juste jamais fait. Super. Une bénédiction. Alors ça, c'est pas une bénédiction, ça. Non, 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 non. Pas de ma gueule non plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jean-Michel avec son panneau, là. Hein? Ça, c'est Yiga 2000, ça. Mes vêtements. Tiens, bonjour. Saviez-vous que la haute couture originaire du village des Limites est extrêmement populaire en ce moment? Le pouvoir de la mode est vraiment incroyable. Porter des vêtements colorés et vibrants peut vous donner une sensation de fraîcheur et vous rendre audacieux. Moi-même, j'étais autrefois très timide, mais en découvrant la mode, j'ai pu changer. Si vous en avez l'occasion, je vous conseille d'aller faire un tour du côté du village des Limites. C'est un village au confin de la région de... Oui, bon, d'accord, ok. Allez, j'ai déjà vu tout ça. Et Bouliet, le porteur de panneaux, exactement. Rejoindre ton ami? Dommage. Susuyai! Let's go.
Engin roulant. Alors. Ah. Ok, je vois le coffre. Ok, alors attends. Il réapparaît au même endroit? Ouais. Je peux le choper comme ça? Ah. Ouais, alors il faut que je sois rapide. T'as raté. Bon, et tu sais quoi? That was a bad idea. T'inquiète. Regarde. On l'a complètement bloqué. On peut récupérer le coffre tranquille. Voilà. Ça fait plaisir. Non mais c'est bon, c'est tranquille. Bah, tu sais quoi? Attends. Viens par là. Ouais. Voilà. Bien. Je peux l'arrêter comme ça? Oui. Qu'est-ce que je fais là? Extrêmement simple. D'accord. Non, reviens. Reviens. Voyons pas ridicule. Alors attends, c'est dans quel sens qu'il faut que ce soit bien fait? Du mal à voir. Dans quel sens je le mets? Comme ça? Ok, ça doit être dans l'autre sens. Oh, hey. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Touche pas. Quoi mais? Questionne mon intelligence? Ah non, ok, c'est dans l'autre sens. Je questionne plus jamais mon intelligence, hein. Simple. Hop là! Il était bien ce donjon, j'ai bien aimé. Très cool, super.
MV avait marché sur les rails. Ah, ça c'est encore un autre... Encore une autre question là, en termes de taille de cerveau, ça. C'est quand même très fort. Merci Brainy Rose pour les 39 mois, merci beaucoup. Et vous aviez dit, enfin quelqu'un avait dit vers le volcan, il manquait un sanctuaire. Ah oui, là. En vert. En vert ici. As-tu fini Koga? Non! J'ai pas tout fait de Koga, mais je sais plus où est-ce qu'il est maintenant. En fait, j'ai beaucoup de quêtes sur le feu aussi. I have many quests on the fire, guys. Donc là, vers le vert. Vert, vert. Trop de choses à faire. On fera Ganondorf dans 100 ans. Bah ouais, un peu, hein. Mais moi, justement, c'est ça qui me plaît dans ce jeu-là. Mon jeu, mon plaisir, c'est pas de le rush. Moi, j'aime bien, justement, le compléter pas mal, tu vois. C'est juste les Korogu, là, je suis en mode, vas-y, laisse tomber. Combien de souvenirs, je les ai tous, normalement. Les souvenirs. De toute façon, t'as le temps avant le prochain Zelda, bien sûr. J'ai 998 Korogu, j'ai abandonné. Pourquoi abandonner après en avoir chopé 998? Je vais te dire la phrase. T'as fait le plus dur, je pense, hein. Je vois pas où est le sol. Ah, ok. Momosika. Elle est là. Voilà. Bon alors c'est où? Ah déjà. Bon, j'ai pas envie. Je vais le laisser vivre. C'est ça que tu me remercies, bâtard? Bon alors l'entrée elle est où? Elle est où l'entrée? Par là, non? Ah. Eh bien, mon gros loulou. J'ai deux...
Il faudrait qu'un seul, non? Allez. Mais j'ai rien pour le pousser, là, non? Mais non. Après, je peux en faire popper un si je veux, mais... Ah, si, là-bas. OMG, le missile. Non, je vais plutôt prendre ça. Hop. Ça va évidemment être une bénédiction. Ça va de soi. Le problème, c'est qu'il y a déjà une lampe à l'arrière, mais bon. Je pense que ça change pas grand-chose, non? Allez, pitié. Pitié. Merci. Hmm. Allez, c'est parti, les amis. Oh non, il m'a fait avoir un accident, ce bâtard. Oh putain, attends. Je crame. Je n'avais pas fait gaffe. J'ai oublié que je crame. Mais du coup, j'ai perdu mon wagon, non? Ah, ça va. Ouais, mais du coup, quand je vais arriver là-haut... Attends, à moins que... Eh non, il n'y a pas le chemin. Bon. C'est pas grave. Le machin est là. Ah putain, c'est un boss. It's a boss. Je lui monte dessus? Non, ça va. Ça fait mal en vrai. J'ai pas juste un anti-brûlure, vraiment vrai anti-brûlure? Je crois pas que j'ai ça. OMG, vous avez raison. Où est-il? Là. J'ai le goat. Oh, le goat. Oh, le nul. Ça sert à rien. Putain, mais c'est pas possible. Mais il me défonce. Comment je fais pour éviter? Genre, j'étais pas sur lui!
Je vais mourir. Je vais en crever, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Je vais crever. Mais en fait, faudrait que je prenne... Je vais retirer ce masque-là. Ah, merci. Et je vais manger des pommes, hein. Où est le machin? Pitié, hein. Bien relou, ça, hein. Pas du tout ce que je veux faire. Hop. Non, déjà ça. Attends, il est où le machin? Allez, go! Nice! Non, c'est pas d'autres joueurs autour. C'est des PNJ. Hop là! On s'est régalé là. Pam 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 pam. C'est-à-dire que je les ai épargnés tout à l'heure, tout ça pour qu'ils m'attaquent quand même, quoi. The fuck? Hop là! Je peux pas passer cette cinématique? Tout ça pour une vieille bénédiction en plus? Hop là. Donne ton équipement aux Octos. Attends, tu t'es cru dans l'état de compagnie ou quoi là, mon bro? Je vais faire ça, hein. Bénédiction de Raoru. Il dit vrai, ça répare ton équipement? Ah ouais? Mais évidemment que c'était une bénédiction. Pour le coup, il y avait même un boss fight avant. Là, ça me choque pas trop que c'en soit une. Dans le premier jeu, c'était le cas aussi. Ah ouais? Je savais même pas, dis-toi. Je ne savais même pas. Il faut qu'il aspire une arme. Que les octos de la montagne de la mort réparent les armes. Attention, tu ne peux réparer qu'une arme par octo. Ok. Ouais, non mais c'est bon. Alors attends, hop, on est où? Là. Je vais faire un petit cocoric. Cocoric. Je voudrais aller récupérer le bouclier d'Ilia. Oui, pourquoi pas, mais je sais pas où il est, me dites pas, hein. Ne me dites pas. Je me souviens où est-ce qu'il était dans les cachots, il me semble, du donjon, du château dans le premier jeu.
Et un en plus. Non pas deux, mais un cœur à prendre. On commence à avoir pas mal de cœurs, là. Ça commence à être un peu du solide, hein. Et bah écoute, en termes de trucs de... Est-ce qu'il y en a que je vois pas? J'ai l'impression que j'ai un peu tout fait, là. Je pense que... Enfin, je pense que ici il y en a que j'ai pas fait. Mais parce que j'ai pas les racines ici. D'ailleurs, ouais, je vois pas trop comment accéder par là. Je peux accéder par là? Ouais. Peut-être. On va essayer. Attends. Ah, mais attends, usine de golem. C'est pas là le truc où il y a le méga bot là? Attends. Attends, avant de faire le sud. Attends, quoi? Enfer. C'est-à-dire que je suis déjà pas mal dans le jeu, là. J'ai battu la reine des Linales, j'ai battu 4 Linales sur 5. C'est là qu'il y a le mégabot ou pas? Oui. Cinquième sage. Quoi ce dos là? What can I do here? Ne me dites rien, je sais même pas comment on fait pour... En fait, faut que je rapporte des pièces, j'ai l'impression. Mais ces pièces là sont dans ce coin ou elles sont... sont ailleurs. S'il y avait des pièces à rassembler, ils en mettraient au moins une à côté pour nous montrer la marche à suivre. Ou pas. Hein. Ou pas ou pas. Le gonze. J'avais déjà été ici, j'avais déjà regardé tout ça et j'avais absolument rien trouvé. Pardon, merci pour le raid. Antoine Daniel. Midi STP, je ne veux pas spoil, mais ne fais pas comme moi, ne perds pas 3 heures à tourner à chercher ici. Mais... Bon bah du coup, ça sert à rien que je cherche ici, mais c'est... Mais laisse-moi me dire que ça ne sert à rien moi-même. Merci pour le raid. Si Charles, pardon, vous arrivez sur moi qui réprimande quelqu'un. Excusez-moi. Merci beaucoup. On est sur Zelda, TOTK bien sûr. Mais c'est ça, c'est vraiment by the way, je ne veux pas spoil, mais donc je spoil. Laisse-moi galérer. Laisse-moi ne pas trouver, et puis tant pis, quoi. Bon, il y a effectivement rien ici. Mais est-ce que j'ai une quête en rapport avec ça, quelque part, en fait? Oh putain.
nombre de quêtes non terminées que j'ai là, c'est une dinguerie. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc en rapport avec ça. J'aime bien la musique de Sombra. Ouais, moi aussi, je la trouve cool, j'avoue. Jave. Bon, dans tous les cas, écoute, je vais aller... Mais, hey, en fait, j'ai pas de texte ici, j'ai rien qui... J'ai pas plus d'infos que ça, en fait. Je vais aller vers le sud. Hop là. C'est quoi ça ici? J'ai l'impression que c'est lié à l'autre truc là-bas, mais... Ah oui, c'est des trucs qui se déclenchent comme ça. Ouais, mais... Ça sert à rien de faire ce que je fais là. Bizarre que ce soit useless, ça. Hein. Bon, bref. Hop là. Petite racine imprévue. Bah, en vrai, non, je comptais aller par là aussi à la base. C'est juste que je me suis... Oh là là. Je me suis aussi retrouvé face au machin, là. À l'usine à golem. Ok. Quand même. Je suis où là par rapport à ça? Normalement il y a un autre truc par là, mais est-ce que je peux y accéder? Oh, ça a l'air chiant. On va le tenter quand même. Vers... Ah, je suis obligé de passer vers là où il y a le... Il y a le gros machin là. Ok. Pourquoi il y a ces trucs-là comme ça, là? Très bizarre, hein? Certainement un truc, hein, c'est... mais je sais pas ce que ça veut dire. En fait, t'as différents objets, t'as le ventilo, t'as la plateforme qui tient toute seule, là. Et
je sais pas pourquoi il y a ça. Ah, il doit y avoir un système, hein. C'est sûr, hein. Et là, va y avoir encore un autre truc, là. Ah non, là, c'est plus un truc traditionnel. Une racine. Oula. Je vois même pas la racine depuis là où je suis. Ah. Oh. Je pense quand même qu'il y a une racine que je peux faire dans ce coin. Je pense quand même qu'il y a une racine dans ce coin. Et vu que j'ai pas fait le sanctuaire au-dessus, je sais pas où est-ce qu'elle est. Enfin, je suis pas sûr, hein. Mais... Attends, et d'ailleurs... Forcément des trucs par là. Je le verrais s'il y avait une racine, non ? Ouais, non, je pense que je verrais rien, en vrai. Je pense que je n'aurais rien dans ce coin. Au bord de la zone de lumière. C'est énorme. Ah. Oui. Ok. Merde. Ah non, putain. Je suis toujours au bord de la rivière là. Ah non, même pas. Quoi ? Comment ça ?
Merde, elle est où l'entrée? Attends, mais c'est un donjon? Attends, c'est quoi ça? Donner un conseil ultra vague. Pas encore, pas encore, pas encore. J'ai l'impression que je peux rien faire. D'avoir une racine quand même, mais bon. Égalité. Mais j'ai l'impression que je peux rien faire. Vu que je suis arrivé ici complètement par hasard. Là, je suis dans un dos intéressant, là. Retrouver là-dedans. Le problème, c'est... Je vais revenir, c'est chiant, non? Pas tant que ça, en vrai. Surtout que ce qui est bien indiqué sur la map... Ah mais oui, autant faire ça du coup. Ah, vous avez trop raison. Maintenant je peux poser des TP. Oh le banger. Du coup pour m'y TP, ouais. Allez. Ah, bien joué, c'est vrai, c'est pas bête. Ils sont combien dans... Mais par contre, vraiment, je n'ai aucun... Je n'ai aucun... Aucune racine de disponible, parce que ça m'embête un peu de... Oui, Babil, c'est bien, c'est bien. J'ai pas l'impression.
J'ai l'impression que ça me sert beaucoup de faire ça. C'est vraiment trouver juste une racine pour au moins éclairer le temple. Et je pense que je vais pas la trouver. Ah, rien que j'aille là-bas. Et là, ça va être... Ouais, là, c'est vraiment rien du tout. Ouais. Hein, tout ça, tout est éclairé en face, hein, vraiment. C'est magnifique, mais... pas en dessous. Et là... Là, je vais me retrouver face à vraiment du... Ouais, des montagnes infranchissables, quoi. Dans un endroit que j'ai déjà éclairé, ouais. Ok. En fait, il y a forcément un trou dans cette région que j'ai pas trouvé, évidemment. De toute façon, cette région-là... Merde, pas du tout. Cette région-là, c'est celle que j'ai le moins vue de tout le jeu. Mais là, par contre, ça m'intrigue trop, là, cette histoire-là. Ça, je me demande si c'est... Comme par hasard, c'est pile au-dessus, quoi. C'est pile au-dessus. Je sais pas. On va voir, vite fait. On va voir, on va voir. 6F Junkie pour les 23 mois, merci beaucoup. 1973, les 33 mois. Merci. Indiana 12 pour les 19 mois, merci beaucoup. Attends, c'est censé être quoi? Ah ouais, c'est tout ça là. Let me check. Comme par hasard, hein. Ouais, complètement comme par hasard. Hein. Très très sus. Mais je suis loin sa mère, non? Genre j'y arriverai pas, il me faut quelque chose pour voler en fait. J'ai pas un truc d'abruti à construire là, attends. Mais non, mais j'ai jamais fait ça. Aéronef. Ah ouais, lui, il est pas mal, lui. Ah, mais je peux pas le faire. C'est énorme, je peux pas le faire. Je sais que c'est un peu un amour de jeunesse, mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir aussi passer à autre chose. Si, j'ai un distributeur qui est juste là. Mais le distributeur, il me donne des... Attends. Attends. Rien du tout. Là, je veux faire ça. Ah oui, mais... En fait, il me faudrait la petite plateforme, là. Mais pour ça... Attends. Donc, il me faudrait 4... Ça. Il me faudrait... les batteries. Oh, c'était 4. Il me faudrait ça. Thank you.
Elle est là-bas, cette tempête, je la vois. J'aurais pu monter par là en vrai, je pense. J'en suis où là? Oh putain de merde. Ah, on voit qu'il y a des il y a des choses dans cette tempête. On le voit. Oh putain, j'y arriverai jamais. Hein. Ça qui est énorme. Non mais t'inquiète. Non mais j'ai les méga orbes. J'ai les méga orbes. T'inquiète, t'inquiète. Orbes. Là. Ok, on y arrive. Et nous voilà. Les îles du tonnerre. Oh. Oh non. Oh non. Oh. Allez. Mais... Ah putain, trop chiant. Il me fait perdre mes trucs, lui. Ah oui, non. J'avais vu qu'il y avait un chemin, mais j'ai perdu de vue. J'ai cru voir un truc là-bas. Amulette? Quelle amulette? Jess? Ah, Jess, ça. Non, le truc anti... Ça, non? Non, c'est pas ça. Amulette? C'est quoi que tu entends par amulette? C'est quoi, amulette? Ah oui, pour mettre ça! Mais t'as raison. T'as raison, t'as raison. C'est vrai, il faut que je prenne le réflexe.
Putain, mais je vois vraiment rien du tout, quoi. Vite fait, mais... Il y avait pas un chemin qui reliait cette île à un autre endroit? En fait, on voit le bord avec les gouttes. La hauteur au pire, mais je vois pas trop comment je fais pour prendre de... comme ça. Mais là, ça va rien changer en fait. Et surtout, il pleut tout le temps. Ouais, le but, ça va être d'aller là-bas. Hein, vers le vert. J'ai l'impression qu'il y a des trucs plus bas quand même. Je suis sûr qu'il y a un truc, attends. Je vais faire au pif, attends. Il y a un petit éclair qui... Juste pour me montrer un truc. Ah non, pas ça. Plutôt mieux l'éclair. Après, si je vois ça là-bas... C'est qu'il y a quelque chose. Ça, c'est Golemax, ça. La Golemax, c'est que je vais pas voir grand chose, hein, je vais pas te mentir. On voit pas grand chose. Je vais me péter la gueule sur ton arène, hein, c'est très grave. Hein. Je vais tomber dans le vide. Hein. Merde, c'est où? C'est ça? Ah, putain, on se rend même pas bien compte. Oh non, c'est lequel? Là. Ok, celui-là, normalement, y a pas de problème. C'est où? Ok. Non. Ah non, celui-là, je l'ai déjà vu. C'est nul. Pas plus avancé pour autant. Non. Mais ça, c'est juste une arène Golemax, hein. Et je me demande si, si... En fait, vu que c'est un phénomène naturel, je me demande si c'est pas en résolvant... ça... que ça retire la tempête. Je sais pas. On peut monter là. Ok, alors là. Attends, je vais par là.
Là, j'ai de quoi fabriquer quelque chose, mais le problème, c'est que je vois rien, quoi. En fait, je me demande si le fait de... Moi, je pense que il faut faire ça d'abord. Parce que là, en fait, c'est juste impossible, en fait. On voit vraiment rien du tout, quoi. Mais sauf que pour faire ça d'abord, mais qu'est-ce que... Comment je le fais, quoi? Ouais, je vois pas où est la suite. Hein. Ah, il y a des rails là. J'avais de quoi faire. Je peux pas faire un wagon si. Attends. Est-ce que j'ai de quoi faire un wagon? Je suis pas sûr. Non. Non, j'ai pas de quoi faire un wagon. Mais j'ai l'impression qu'il faut pas que je fasse ça maintenant, c'est ça le truc quoi. Mais après je me trompe peut-être hein, mais... Ça faisait ça. Non. Oh putain. J'ai tout cassé. Putain, il y avait une roue ici. Je suis un bouffon. Une flèche. Il faudrait une autre planche. Non, attends.
Ah, attends, attends. Ouais. Ok, attends. C'est pas normal que je sois là, hein. Golem Major. J'ai jamais vu ces trucs-là avant. C'est bien ce que je me disais, ce golem-là, je l'avais jamais vu ailleurs. Épée de Solem surpuissante. Peut-être jeter la lance des Sylvains, en vrai. Ouais, mais maintenant. Maintenant que je suis là, c'est bien, mais... Qu'est-ce que je fais ici, quoi? Ah, et là, je me retrouve face encore à des trucs comme ça. Ah, je pense qu'il faut pas que je sois là. Je vais me casser de toute façon. Je suis où là? Oh putain, je suis là, il joue à des rails partout. Ouais, je vais me casser, j'ai compris. Où ce bâtard? Il est là-bas. Je vais tomber, vas-y, hop là, on va voir. Ouais, je vois des... Je vois rien en fait, voilà, la vérité c'est ça. Ouais, je me casse de là. Hein. Petit. Ah non, pas toi. Hein. Ah non, clairement, fallait pas que je fasse. Enfin, au moins je sais que ça existe, mais je pense que pour retirer la tempête. Je pense qu'il faut que je fasse le temple en dessous. En fait, les temples sont liés à des phénomènes physiques à chaque fois. Alors, je viens d'en lancer, d'en jeter une. Et merci. Donc voilà quoi, énorme. C'est sûr que c'est ça. Mais par contre, pour le faire, en fait, à l'intérieur du temple, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ça va? Ah oui? À dire. Je m'éloigne. Ah, par là. De découvrir ça. Ah, carrément, carrément. Ouais. Laisse-moi tranquille, vite fait. Eh ben, je sais pas où c'est. Putain,
est là, le rumi. Ah, ok. Hop là. Bon, en vrai, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. On a fait pas mal de trucs, hein. On a fait pas mal de trucs. Mais là, vraiment, le dernier truc, ça, c'est extrêmement intriguant. Ça, c'est extrêmement, extrêmement intriguant. Pareil pour l'usine à golem, je sais pas trop comment ça marche. Alright, allez, je vais me stop ici. Je vais juste au moins manger un petit truc pour... Quand je reviens, je suis pas à l'article de la mort. Voilà, je clignote pas, on est très bien. Hop là! Bon! On relèvera dessus plus bientôt que la dernière fois, bien sûr. Hein. Évidemment. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va voir. En tout cas, c'était trop bien. J'ai trop kiffé faire du Zelda.